Au sommaire de cette édition d'information, grande veillée de prière, d'évangélisation, de délivrance et de miracle. C'est une initiative de la Mission mondiale évangélico d'André, Fondation Jean-Pierre Rocher, sous le thème « Démonstration d'esprit et de puissance ». Les fidèles de l'Église évangélique, la harpe de la restauration de la Riviera Bonhomme du révérend Soro Josué, rendent grâce à Dieu pour leur deuxième année d'existence. Un culte spécial pour marquer ce mois de mai sous le thème « Malgré la loi ». Cela se passe à la mission évangélique Triomphe de gloire du prophète justice Dieu Mandé. Et à l'international en sport, le Liverpool FC bat le FC Barcelone et se qualifie pour la finale de la Ligue des Champions. Voilà pour les grandes lignes, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez pour ce temps d'information sur Béni TV, la première chaîne chrétienne panafricaine. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth s'est encore glorifié. Plusieurs miracles et divers cas de délivrance et de guérison ont eu lieu récemment lors de la grande veillée de prière initiée par la Mission mondiale évangélico d'Angré, Fondation Joker Rocher. Les différents missionnaires, tous disciples du grand missionnaire Joker Rocher, ont conduit le peuple de Dieu dans un intense moment de prière au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Louanges et adorations étaient au rendez-vous de ce grand moment de démonstration d'esprit et de puissance. Cette marée humaine au stade d'Angré pour cette grande veillée de prière organisée par la Mission mondiale évangélico d'Angré Fondation Joker Rocher a donné lieu à une multitude de miracles authentiques au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tel cet homme guéri de la paralysie dans laquelle le diable emprisonnait depuis 2 ans. Le Saint-Esprit l'a alors libéré définitivement par l'entremise du prophète Hippoté Wilfried. Cette nous, il est en méditation. Voilà, puis les années commencé, ça m'a vous n'avez pas encore commencé. Faites les deux papa. Faites toucher. Faites les deux encore. Faites toucher. Faites les deux encore, papa. Faites toucher. Papa. Ici, nous ne travaillons pas avec un don, avec une transmission spirituelle sainte. Je suis disciple de Joker Rocher. Je vous entends, papa, au nom de Jésus. Levez-vous. Venez. Se basant sur le livre de Marc 5, verset 25, le prophète de l'Éternel, après avoir présenté Jésus-Christ de Nazareth comme la solution à tous les problèmes, à travers l'histoire de la femme qui perdait du sang depuis 12 ans, inspiré par le Saint-Esprit, a donné des révélations précises. Vous êtes marié, mais le Saint-Esprit me dit que j'ai comme l'impression de voir un mariage en août de 2016. Vous êtes marié en 2016. Quand le premier c'est comme ça quoi. 2016. Mais madame, à l'état civil, mais attends pas que j'entende Nyamke. C'est le nom de mon père. Mais le Saint-Esprit est en train de me dire que ce monsieur a décidé de vous voir une femme comblée. Mais regardez, en 2016, à votre mariage, il y a une femme qui est venue passer son vent sur sa main sur votre face. Au point où il n'y a pas eu d'enfant jusqu'à présent. Il cherche de voir même depuis le mois de novembre. Mais mon fils se sont arrêtés. À sa suite, les autres serviteurs de Dieu, aussi disciples du grand missionnaire Joker Rocher, tels les prophètes Kwasi Arsène, Arnaud Zed et Raoul Oka ont été de puissants canaux de délivrance des fidèles qui étaient sous l'emprise du diable. Il y a des personnes qui ont été sélectionnées. Et quand elles sont là, elles ont l'impression qu'elles doivent servir le Seigneur. Et quand cela s'est arrivé, quand cela s'est arrivé, quand cela s'est arrivé, quand cela s'est arrivé,
Retenons que la Mission Mondiale Evangelico est une église évangélique pentecôtiste fondée par le grand missionnaire Joker Rocher il y a de cela 38 ans, comptant plus de 300 assemblées partout en Côte d'Ivoire. Rendez-vous est donc pris les 23 et 24 mai prochains de 17h à 22h au stade Jesse Jackson de Yopougon pour un grand programme d'impactation.